Bonjour à tous, c'est Anarit et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 de Défi sur Zelda Skyward Sword et j'étais en train de perdre mes mots. Et donc, comme promis, trêve de bavardage, on se prépare et on fonce pour la Psychalis de Dean, où on pourra prendre notre temps pour la faire tranquillement avant de s'attaquer à, au chemin qui nous permettra d'arriver au Grand Sanctuaire Océan. Et maintenant que j'y pense, c'est déjà l'avant-dernier donjon du jeu, hein, même s'il y aura beaucoup de trucs qui vont se passer, puis sans doute pas les choses les plus faciles du défi. Pour l'instant, on s'en tient à un game over qui est au Temple de la Terre et qui était évitable. Et pour l'instant, je me dis, bordel de merde, à chaque fois, j'ai beaucoup moins de game over que ce que j'imagine. Je pense vraiment que j'ai bien pris la main, en vrai. Parce que Maître Link, bon, on finit ça après. Enfin, vous me direz, je vais pas lire ce que dit Faye parce qu'elle va dire exactement la même chose que lors des deux dernières fois. Mais du coup, ouais, je disais justement qu'en fait, vous savez, quand je parlais de que j'allais perdre beaucoup de vie, vous me dites, ah, c'est bon, il a fait le coup dans Majora's Mask, dans machin, nanana, bon, voilà. Mais en fait, non, là, vraiment, ce qui est différent, c'est que j'ai refait un peu le jeu quand même récemment, enfin, avant de commencer le défi, et je perdais plein de cœurs alors que j'étais pas en héroïque, et que du coup, on prend deux fois plus cher en héroïque. Du coup, je me disais, oulala! Et en fait, je pense juste que j'ai bien pris la main. J'ai bien repris la main parce qu'en fait, j'avais dû perdre la main, et ce qui, vu que j'avais pas encore, en plus, j'avais pas encore mes bons réglages de Wiimote, ça faisait n'importe quoi. Du coup, ça va mieux. Mais donc, alors, laquelle on prend en premier? Je suis en train de me dire qu'il y en avait une là-bas, je crois. Au pire, on tente, hein. Comme vous savez, à chaque fois, on tente le coup, genre, est-ce que ce sera l'epic fail comme à Firon ou est-ce que ce sera la réussite totale? On verra, je ne sais pas trop. Ah bah ce sera la réussite en fait, ça c'est bien ce qui me semblait, il y en avait une juste ici. Donc celle qui est là-bas là, je la garde. Parce qu'une fois je me suis fait avoir par le dévoileur ici, et je vous jure que si j'avais eu l'alarme qui était juste à l'entrée, à la sortie, j'aurais été content. Oulala, les petits lags, merci, au revoir, non. Alors merci de ne pas... On va déjà aller prendre celle qui est en bas. Voilà. Je suis en train de me dire... Oh, celui-là, il va m'emmerder, celui qui est à gauche. Hein. Attendez, hop. Voilà, faisons attention. Non. Bon, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Alors, je vais pas monter là, parce qu'il se trouve que là-haut, il y avait un truc. Attendez. J'aurais dû peut-être passer par un autre endroit. Bon, de toute façon, dans tous les cas, on n'est pas pressé. Vous voyez, c'est le genre de cas où moi, je serais en train de stresser si j'étais à l'épisode dernier en me disant, bon, on va faire... Là, il va y avoir un gardien. Ok, on fait attention. Alors, vous me direz, oui, mais qu'est-ce qu'il est fou? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais en fait, on va directement monter parce que je pense que ça va. En fait, en vrai, faut pas tant stresser que ça quand les gardiens nous poursuivent parce que j'ai pas l'impression qu'ils vont tant plus vite que ça que nous. Ouais, par contre, si c'est un coup à se coincer, non. Est-ce qu'il n'y en a pas un d'ici de gardien? Il n'y en a pas. Bon, bah écoutez, on prend. Hein. Il était censé avoir un gardien là, non? Ouais, juste là. Mais il était où? Bon. Bref. C'est parti. Alors là, je fais la partie là directe et je suis content de la faire parce qu'en fait, sinon, c'est un peu genre. En fait, c'est une des parties les plus casse-gueule et je sais que vaut mieux pas se foirer là au début, enfin à la fin. Donc, attendez. Ça me permettra aussi de voir combien de temps prend cette Psychalis en moyenne quand on connaît, quoi. Parce que là, j'en ai aucune idée. Donc c'est parti. Je pense que lui était parti en bas, donc nickel. Je pensais qu'il allait justement me faire chier pour récupérer la perle, mais... Alors là, faut que je fasse gaffe, surtout. Voilà. Ouh, tout, attention. Hop, voilà. Donc là, il y en a une ici, à gauche. Ah, il aurait fallu que je la prenne, celle-là. Ah, c'est un peu con. Merde. Bon, on perd pas de cœur, de toute façon, on s'en fout. Donc, fais gaffe à pas frôler là, voilà, c'est bon. Hop, voilà. Ça faisait quand même un peu long, alors juste celle-là. Ouais, celle-là, faudra qu'on y retourne, merde. Aïe. Je vérifie si en bas, on peut sauter directement ou pas. Ouais, on peut sauter là. Alors là, je sais qu'il faut d'abord frôler à gauche, puis ensuite refrôler à droite, voilà. C'est ici que je me suis fait choper la première fois au dévoileur. Je pense qu'on était plusieurs à se faire choper ici. Donc. Vous savez, vu qu'on va redescendre obligatoirement, celle-là, je vais la laisser. Parce qu'on va forcément redescendre, donc, qui dit redescendre, dit, si jamais on tape le dévoileur, au moins on aura une perle à la sortie pour nous aider. On n'aura pas besoin de faire de nouveaux détours, de toute façon, là, c'est juste que j'ai loupé la perle en haut, c'est con. C'est pas la première fois que je fais ça. Je sais pas si on est obligé de passer deux fois en haut, ou s'il y a un coup de... Alors, attendez. Là, est-ce que je passe ici maintenant? Non, je vais remonter maintenant, vous savez quoi? On fait d'abord la partie en haut, toujours la partie en haut d'abord. Je prends toujours tous les trucs sans faire exprès, je devrais pas parce que à la fin j'en aurais peut-être besoin.
Oui, on est déjà à 5 minutes là, alors qu'on a que 5 perles, donc vraiment, je me dis, je ne regrette pas. Donc. Hop, là, on va prendre ça quand même. Juste faire gaffe aux dévoileurs. Voilà, là, c'est à gauche, faut faire gaffe. Voilà. On va monter là. Donc là, j'arrive à repérer où c'est. Où est-ce que c'est? Ça va être chaud quand même, attendez. Non, 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 non. C'est bon, elle est touchable. Non, mais n'importe quoi! Mais quel con! Ok, bon. On va remonter, vous inquiétez pas. C'est pas trop long. Non, mais ça par contre, en fait, j'ai mis le diagnostic à droite, mais vous savez, des fois, il y a le petit contre-coup, ça vous fait aller à gauche. Du coup, bah, j'ai merdé. Donc. On remonte. Oula, ouais, quoique, attendez. Là il restera que 20 secondes, on n'aura pas le temps. Tant pis, je vais prendre celle-là. Mais 20 secondes, c'est pas suffisant pour remonter et refaire tout sans se faire choper. Dans le doute, évitons de faire des conneries. Bon, c'est pas grave, on profite un peu de la Psys Alice. Hein. Les deux dernières, je les ai quand même fait relativement vite. Bon, là, ça fait juste chier de refaire un truc. En vrai, si je me refoire une fois, par contre, c'est Ellipse. Hein. Genre direct, quoi, parce que sinon, voilà. Se foirer une fois, bon, ok. Mais alors. Hop. Là, vous devez vous dire, ah, il va fail à un moment donné, il va sortir le dévoileur, tout ça. Ce serait méchant. Donc là, vous voyez, des fois, il tourne tout seul, et faut juste que je fasse gaffe à bien essayer de choper. Genre là, voilà, voilà. C'est bon, et maintenant, on fait gaffe au dévoileur, parce que c'est pas un coup à se faire avoir. Voilà. Nickel. Ceci étant fait. Maintenant, j'aurais bien besoin d'une petite loupiote, pour voir s'il y en a d'autres de ce côté-là. Bon, il y a celle qui est en face, là. Mais sinon... Est-ce qu'il y avait un truc que je pouvais venir choper là? Non. Écoutez, on va descendre de ce côté, hein, parce que pour l'instant, voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas changé la lave par le dévoileur en vrai, hein, parce que ça, ce serait un coup à se faire avoir. Voilà. Et surtout, je me souviens qu'ici, le temps s'écoulait parfois très vite, ce qui fait que il faut bien gérer quand même les timings. Ouh là 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 là! Purée, j'étais pas loin de me faire choper. Donc là, comment on passe par ici? Bah par là. Ok. Mais vous voyez, ça c'est le genre de perle où des fois on prend du temps pour y arriver et puis du coup, bah on se fait avoir par le temps. Hein. Voilà. Mais surtout, ne speedons pas. Le temps passe vite, on est déjà à 8 minutes quoi, c'est incroyable. Bien, de toute façon cet épisode était principalement dédié à la Psys Alice, mais c'est vrai que tant qu'à faire, si on pouvait un peu avancer vers le prochain donjon... Là on peut pas aller... Ah si on peut là. Ici il me semble qu'il y a une perle, voilà, donc attendez. Tiens on vérifie, il y en a combien encore de ce côté? Il y en a quelques-unes là, et en haut il y en a... Une à gauche là-bas, ah elle va être galère celle en haut. Et une là, ok. Il y en a pas tant que ça sinon, hein. Ok. Bon je prenais un peu mon temps certes, mais... Voilà. Voilà. Attendez. Voilà. Ok. Nickel. Ceci étant fait, continuons donc gentiment. On fait tout ce côté-là. Voilà, ici, pas besoin de... Rien d'autre entre-temps. Hein. Je vérifie que j'ai pas loupé pour pas faire de gros détours. Pareil là. Ok. Ah, y'en avait pas là-dedans Non, 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 forcément non, parce qu'on peut pas... on peut pas y rentrer. Donc. De toute façon, là, vous me direz, y'en a que 4. 1, 2, 3, 4, ok. Ah, y'en a donc bien une par là, hein. Attendez, on va déjà choper celle-là. Celle-là, je me souviens qu'elle faisait partie de celle que je suis allé prendre en dernier, parce que je l'avais pas vue, la première fois que j'ai fait la Psys Alice. Et du coup, j'étais en gros stress quand je montais sur la corde. Alors, Wiimote, tu ne me fais pas de mauvais coups, s'il te plaît. J'aimerais bien choper la perle d'ambre, mais je vous avoue que vu qu'on risque d'être short pour la prochaine, je vais voir juste si celle à côté est pas trop loin, en fait. Si elle est juste là, ça ira, ouais. Ah ouais, 1, 2, 3. Ouais, ouais, elles sont pas tout de suite là, hein. J'aurais pu sauter, vous me direz directement sur le truc. Allez, allez, monte, monte, monte. Enfin, descend plutôt. Eh ben, il a pas trop envie, là. De toute façon, c'est vrai qu'on a le temps, après tout, hein, n'est-ce pas? Allez, avance!
Putain, mais c'est pas possible. Voilà. Allez, remonte. Voilà. Ok, ma movement est totalement décalibrée. Voilà, ça va mieux. Donc. C'est pas qu'il reste 30 secondes, mais il faut peut-être foncer un peu, non? Je sais pas. Donc. Enfin, pas 30 secondes. En vrai, je crois que c'est 2 minutes. Non, 90 secondes, c'est tout le tour. Donc, en vrai, chaque truc, c'est... Ouh, je suis un peu dans le caca, en fait. Je suis un peu légèrement dans la merde. Ça va être très short. Vous voyez, là, je fais partie... J'ai fait un de ces trucs qu'on appelle le fail, principalement. Parce que j'oublie comment on retourne de l'autre côté. Et j'ai pas du tout géré mes perles sur le chemin aller. J'aurais dû prendre d'abord celle du fond, avant. Et là, il me reste plus que même pas très peu de temps. Ok. C'est génial. Donc... De toute façon, si jamais je me foire, je vous dis, au pire, on se fait choper, hein. Ok. Non, mais en vrai, est-ce que c'est un complot? Oh là là, la concentration n'est pas du tout présente. Et le pire, c'est que celle-là, je crois que je l'ai jamais foirée, vraiment foirée, genre, peut-être... Ah, attendez, elle est là. Putain, c'est bon, plus de peur que de mal, bordel. Oh, elle était là. C'était risqué, quand même, hein. Bon. Du coup, les deux qui restent, faisons pas d'erreur. Surtout pas d'erreur, quoi. On n'a pas besoin de se foirer, là. Mais ouais, celle-là, je disais, en fait, je l'ai jamais vraiment foiré. Je l'ai foiré juste une fois où je vous avais dit que j'étais fait avoir par le dévoileur et que du coup, j'avais pas de perles à la fin, donc je me suis fait avoir alors que j'étais full, j'étais plein. Mais sinon, j'ai pas raté vraiment, on va dire, pendant la quête des perles. Genre, j'ai pas mauvais, pas, enfin, mal géré mon timing. Il y a des fois, justement, où je me suis... Enfin, le temps s'était passé, mais... Bah écoutez, on va retourner de l'autre côté, hein. Le problème qui me gêne, c'est qu'il va falloir passer par en face. Alors que c'est purement le genre d'endroit où je ne voulais pas passer, parce que c'est trop galère. L'endroit ici, il est vraiment galère parce que je me suis déjà fait choper plusieurs fois par les gardes. Allez, allez, vite, vite, vite. Ok, c'est bon. Oh, chaud. J'ai oublié qu'il y avait le truc d'endurance, heureusement. Donc. Voilà, là, il y en a une. Ok, donc la dernière, elle est là-bas. C'est où, déjà? Comment on fait pour... On peut pas exploser ça, en fait, hein. Ok, non, on peut pas faire tomber ça. Donc, il faut qu'on redescende. Ce qui est pratique, n'est-ce pas? Surtout pas se faire avoir. Voilà. Non, mais quel con. Je voulais aller à gauche. Et du coup, après, au dernier moment, je suis allé à droite. Bon. Ok. On va essayer de pas se faire avoir dans le tunnel. Ah, mais c'est celle-là, la dernière qui me manquait. D'accord, j'avais... Bah, vous savez, j'ai fait exprès de la garder exprès pour ça. Voilà. J'ai oublié que je l'avais pas prise. Je l'ai pas prise. Ah oui, oui, c'est vrai. J'étais quand même allé au fond à gauche. Oh, le con. J'ai tellement bien fait, en fait. Bah voilà, vous voyez, c'est la définition de à quoi ça sert de garder des perles pour la fin. Donc là, on se sera fait stresser un peu, c'est marrant. Et on aura pris presque 14 minutes. Enfin, non, on va dire, vu que j'ai quand même pris une petite minute avant, allez, on va dire une 12-13 minutes pour la faire. Mais c'est quand même pas mal, hein. 12-13 minutes, vous voyez. La dernière fois, ça aurait vraiment été trop. Vous avez obtenu les boucles ignifuges. C'est une des reliques de la déesse. Vous pourrez désormais résister aux chaleurs extrêmes. Non, c'est bien, j'ai bien aimé celle-là parce qu'on s'est quand même fait un peu peur plusieurs fois. Genre, on s'est fait choper, ensuite on a quand même tenu, machin. Donc bon. Cool, cool, cool. Vous êtes de retour, Maître Link. Grâce aux boucles ignifuges que vous venez d'obtenir, vous devriez pouvoir résister aux températures les plus extrêmes. Je vous recommande de poursuivre vos recherches de la flamme sacrée. Bah écoute, ce sera, Bah ouais, la technique de remonter et repartir, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, par contre, un truc qui est sûr, c'est que je sais pas si on aura le temps d'aller les chercher, les fées, mais il fallait que... Attendez, hop. Genre, je sais pas en fait s'il y avait des fées. Il me semble qu'il y a des fées avant le prochain donjon, mais dans tous les cas, avant d'y arriver, on prendra des fées, mais entre-temps, ce sera pas forcément utile, quoi. Et donc là, je refais la technique, du coup, pas du tout pratique de devoir remonter dans le ciel pour redescendre à un point plus élevé, mais en même temps, ce sera bien plus rapide d'arriver au sommet du volcan directement, quoi. Même si, en fait, je dis une grosse connerie, en fait, parce que...
En fait, je pouvais directement monter là où je voulais aller. Ouais. Bah écoutez, bon, c'est pas grave, hein. Parce que le sommet du volcan, on y va par le... Attendez, hop. Voilà. Que je me trompe pas, on pouvait passer par... C'est ici. Donc en passant par... ouais. C'est vrai que j'aurais pu passer par l'autre côté finalement, mais bon, c'est pas grave, hein. Écoutez. Les bokoblins, on s'en balèque totalement. Par contre, les chauves-souris, si vous pouvez me donner un peu de trucs... Ouais, bon, des rubis. C'est vrai que des rubis, maintenant, oui. Voilà. On fonce. Là, aujourd'hui, donc, il n'y a pas d'objectif, maintenant. L'objectif, c'est surtout de faire la psychalice, mais sinon, bah, écoutez... c'est vrai qu'on aurait pu passer, en fait, par le truc pour le jet d'air, là. Je suis un peu bête. Donc, voilà. Voilà, ici, maintenant, on peut passer. Et c'est parti pour la prochaine zone. Enfin, zone... Maître Feyorapport, nous sommes proches du cratère du volcan d'Ordine au sommet de la montagne. Sommet du volcan. Je détecte alentour une température extrêmement élevée, mais vos boucliers ineffuges vous permettront d'y résister. La probabilité que la dernière flamme sacrée se trouve. Oui, bon, merci, on a compris. Et nous voici. Et il me semble qu'ici c'était pas très long, c'est juste qu'il faudra faire des allers-retours. Mais bon, vu que là on est à 17 minutes, on peut se permettre de commencer déjà un peu. Je sais pas si on sera dans le donjon le prochain épisode, je vous avoue, je me souviens plus trop. Je suis un peu. C'est un peu une des parties où je me souviens. Oui, parce que je suis en train de me faire interrompre dans tous les sens. C'est un peu une des parties où je me souviens le moins du temps que ça prenait. Je sais qu'il y aura un truc à faire avec de l'eau à un moment donné. Et d'ailleurs, on a les flacons vides, donc si jamais, ce sera pas un souci de flacons. Bon, ils n'ont pas donné de trucs importants. Écoutez, on va sauter par là. Hein. Non mais... Voilà! Nickel, donc déjà là, qu'est-ce qu'il y a ici? Si jamais c'est un endroit où il y a de l'eau ici, peut-être, je vais déjà en récupérer au moins 3 flacons. Ouais, voilà. Eau ordinaire, mais est-ce qu'il n'y a pas... est-ce qu'il fallait de l'eau ordinaire ou genre de l'eau un peu mieux? Bon, c'est de l'eau, c'est que de l'eau ordinaire. Il me semble, je sais pas si c'était une autre source spéciale qu'on peut avoir que dès qu'on nous la demande, mais dans le doute, je prends 3 flacons d'eau ordinaire, de toute façon, j'ai rien à perdre. Là, j'ai pas de fée, donc... du coup, j'ai bien fait de pas en prendre avant. Est-ce que là, il y aurait pas un truc plutôt cool, genre... À part un cube de la déesse, il y a pas forcément grand-chose d'intéressant. Écoutez, pour l'instant, je laisse ça de côté. Il y avait des... Bon, les coccinelles, tant pis. Hein. Je vais pas faire de potion améliorée, de toute façon, donc c'est vrai que les insectes me seront tout aussi inutiles que beaucoup de quêtes annexes. Hop, j'esquive les certains monstres, parce que, bon... les blobs, on en défonce déjà à longueur de journée. Et puis les gros, ils sont chiants, donc... Alors, ah, le Goron. Tiens, comment on se retrouve? Comment vas-tu? J'ai entendu dire qu'il y avait un cube de la déesse par ici, alors je suis venu voir. Mon instinct me dit qu'il y en a un peu plus loin, mais à cause de ces flammes, je peux pas y aller. Comment je pourrais me débarrasser de ces flammes? Je sais pas. Maître Feyorapport, grâce à l'amélioration de votre épée, il est à présent possible de détecter les cubes de la déesse. Oh! Ah, ça c'est cool, c'est vrai. J'étais tellement content qu'on avait cette... J'ai rien débloqué en détection, c'est ouf. Mais en même temps, j'ai pas fait d'annexe. Hein. Donc, est-ce qu'ils disent un truc particulier? Étanche ma soif et le chemin t'ouvrira. Ouais, bah en fait, c'est vraiment ça. C'est... J'ai bien fait de prendre 3 flacons, du coup. Et je crois qu'à chaque fois, je devais faire justement des allers-retours parce que j'avais pas assez de flacons vides et que j'étais un gros radin, je voulais pas me débarrasser de mes fées. Ou alors de mes potions, j'avais des potions améliorées parce que c'est vrai qu'en temps en partie normale, les fées sont pas terribles non plus. Les flammes se sont éteintes, on va pouvoir avancer. Ouais, bah écoute. Je sais plus comment on a comment on rentre dans le... bon, eux, ils partent trop vite. Bon. Pas forcément ultra utile, donc maintenant il faut passer par au-dessus, il pourra passer au-dessus, il faut
Il faut sauter, aller au grappin. Tout simplement. Attends, hop, voilà. Et du coup, non, pas flacon vide. Une autre ordinaire. Il en fallait juste deux, apparemment. Ah oui, après, il faudra une eau, une meilleure eau, et ce sera l'eau de la cuve du dragon d'eau, je crois. Enfin, pas l'eau de la cuve, mais en tout cas, un plus gros récipient, donc la cuve du dragon d'eau qu'elle va nous prêter. Ça y est, maintenant, ça me revient. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants là, ou... Bon, vous me direz que des rubis, c'est pas forcément... Alors oui, d'ailleurs, il y a des papillons. Attendez, est-ce que c'est une pierre Sheikah ici, ou est-ce que c'est... non, attends, voilà, attends, c'est pas ça. Pas ça non plus. C'est ça. Ouais, c'est juste une pierre Sheikah. Mais c'est vrai que j'oublie qu'en fait, je me dis, c'est inutile de les appeler, mais en fait, j'oublie qu'elles donnent un petit objet quand on les invoque. Donc du coup, c'est toujours pratique. Alors. Ok. Inutile, mais ça valait quand même le coup de vérifier. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh. Il me semble qu'ici, à gauche, il y avait un truc genre... Oh, les alphos. Oh, putain. Et vous savez, ce temple-là, je crois que je le crains plus que les autres. Hein. Parce que le galion, j'en parlais, mais en fait, j'oublie qu'il y a une bestiole qui m'a toujours fait chier dans ce défi pour l'instant. C'est le alphos, hein, en vrai. Ils m'ont défoncé mes fées dans le temple de la Terre. Ils sont indirectement responsables de mon game over, en fait. Donc, ok. Ah, j'ai pas lu, merde. Bon. Cette fois, elle est vraiment énorme, je ne pense pas qu'un simple flacon suffira. Oui, effectivement. Tu aurais pas un grand récipient qui pourrait me mettre... Là, du coup, il y a Faye qui va me dire « Je peux détecter des récipients !» Ah non. Ah si. Forcément. Alors, Maître Link, Faye au rapport. Je ne détecte pas d'eau ici. Pour activer ce mécanisme, il faut un grand récipient, mais je vous recommande de chercher de l'eau. De l'eau. Vous savez, Faroria, il y a de l'eau à Faroria. Mais du coup, en fait, en gros, elle nous dit indirectement la solution. Et là, il n'y a pas besoin de... Bah, écoutez, on va repasser par là. On va retourner dans le ciel. Donc, c'est bien, en fait, toute une partie transition. Mais en fait, la transition va être beaucoup plus rapide que la dernière fois. La dernière fois, on a pris un épisode entier avant... après la Psyalis, on avait pris un épisode entier avant de rentrer dans le donjon. Alors que là, on y sera certainement au prochain épisode, donjon. Hein, au mieux, on l'a à la fin de cet épisode-là, parce qu'on est qu'à 22. Donc, qui sait, en 10 minutes, on peut faire beaucoup de choses, hein. Mais au pire, ce sera l'épisode suivant, donc... Et on est à l'épisode 24, vous savez ce que je me dis, c'est qu'en fait, l'épisode 24, c'était déjà, on va dire, déjà Majora's Mask, c'était l'épisode 23, la fin. Et l'épisode 24 dans, dans Ocarina of Time, c'était genre l'antépénultième, donc on s'est terminé au 26. Du coup, je me dis, on va bientôt arriver dans les phases d'épisodes que je n'ai pas atteint. En même temps, c'est normal, dans Skyward Sword, je m'attendais, même, je vous avoue que je vous l'avais déjà dit, mais je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus long que ça, en fait, pour l'instant. Et qu'on s'en sorte beaucoup moins bien. Quand je vois comment j'ai galéré en mode héroïque, rien qu'à l'époque, quand j'avais les Seekers, et pourtant, j'étais, il me semble pas si froid que ça, mais je pense que c'est peut-être le conditionnement qui doit faire que je me débrouille mieux. Mais je refuse que le Temple de la Terre ce soit notre seul game over, sinon je me sentirais con d'avoir eu un seul game over sur un fail inutile où je me suis explosé tout seul. Donc, on va aller au lac Faroria. Parce que du coup, il me semble que... Et même si elle dit, oui, vous devez d'abord chercher de l'eau, en gros, elle nous dit juste d'aller par ici, quoi. Après, pour le reste, on verra... Merde, je suis au bon endroit, là. Ah, mais non, mais j'oubliais que c'est pas du tout là. Mais putain de merde. Est-ce que ce sera pas plus long d'aller... Attendez. Ouais, non, ce sera plus... Ce sera... Autant aller par là, hein. Enfin, autant directement y aller... sera plus long de retourner dans le ciel, remonter, machin. Je voulais pas passer par là, mais j'oublie que cette map-là est à l'envers. What the fuck? Non mais je vais quand même pas avoir un game over ici! Bravo, juste bravo. Alors là, ce fail est majestueux. Alors ce fail... Ah non. Je peux même pas... Bon, non mais, le karma, non mais, on parlait d'un game over il y a quelques secondes. J'y crois pas, c'est pas possible.
Mais j'oubliais, vous savez, la dernière fois, quand on a eu ce fail, quand on a eu ce coup dans la grande caverne antique, j'avais paniqué, je me suis dit merde, mais on peut avoir un game over hyper rapidement si on n'a pas de fée. Mais genre, vous avez vu la vitesse à laquelle je me suis fait défoncer? Attendez, on est au bon endroit là. Ouais. Oh, mais quelle connerie! Oh là là, mais l'énorme connerie! Bon, en soi, vous savez, ce genre de game over, en fait, je les compte pas spécialement comme des game over parce qu'en fait, c'est pas dû au défi. J'aurais été dans n'importe quel autre truc où je, enfin, j'aurais perdu tous mes cœurs, enfin, vous voyez, je sais pas. C'est justement parce qu'on a 6 cœurs que ça part très très vite. Mais en soi, me dire que j'aurais eu un game over en m'explosant la tronche et un autre game over en me noyant, ça va. Je vous avoue que ça touche pas trop mon écho. Mais alors, quelle connerie! Bah, au moins, je suis content, ça me fait un truc en plus dans le best-of. Non, mais en vrai, parce que. Ah non, mais c'est pas possible quoi. Le game over le plus con de l'histoire! Tout ça parce que je me suis trompé de point de téléportation, parce que ça serait jamais arrivé! C'est terrible. Alors, examinez. La bassine est remplie d'eau, la probabilité qu'elle puisse éteindre les flammes du volcan est de 85%, je vous conseille de l'emprunter au dragon. Bah écoutez, oui. Oui, bah oui, merde, faut parler au dragon. Gnagnagna, oui, je sais. Non, mais je m'en remets pas de cette histoire, hein. Alors, en temps normal, j'aurais explosé de rire, mais là, en fait, j'ai bugué, j'étais en mode, mais non! Mais c'est pas possible. Je sais pas comment vous allez réagir, mais en vrai, je pense que ça va être drôle. Alors, puisque mon pouvoir est revenu, il ne m'est plus vraiment utile. Ok. Dois-je appeler le robot pour qu'il transporte la bassine? Oui. Oh non, pas lui. Très bien, mec, je l'appelle immédiatement. Non mais... Oh là 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 là. Franchement, je pense qu'on a le fail du siècle, hein. En tout cas, un des deux, je dirais, avec le fail du fil à papillon. Je crois qu'on a les deux, on tient les deux gros fails, là. En voilà un truc lourd, même pour moi, rien de plus facile. Vous voyez pourquoi c'est bien d'avoir des fées? Hé, le maître en verre, prends-en de la graine. J'attendrai dans le ciel, comme d'habitude. Maître, retournons dans le ciel et dirigeons-nous vers le volcan. Tout juste, Auguste. C'est parti, donc retournons dans le ciel. Bah, on peut pas retourner dans le ciel maintenant, là, depuis là. Putain, mais... Donc évitons de perdre... En fait, mais je trouve ça abusé, la vitesse à laquelle on perd nos cœurs, c'est genre touc, touc, touc. En fait, en 3 secondes, après avoir plus d'énergie, j'ai un game over, quoi. Attendez, est-ce qu'on peut grimper là, quand même? Non, faut forcément monter. Donc, voilà... Perdons du temps, c'est marqué. Voilà. Donc, reprenons le TP. On aurait dû arriver par là, donc en aucun cas, on se serait noyé, n'est-ce pas? Je voulais, en plus, tout à l'heure, quand j'ai fail, en fait, mon truc, je voulais directement aller sur... Attends, pour retourner dans le ciel, oui. Je voulais directement aller sur la bulle, en fait, pour récupérer de l'oxygène. Mais du coup, je sais pas par quel moyen, j'ai tapé un autre truc qui fait que j'ai raté la bulle. Je me retrouve à 0 d'oxygène. Et du coup, bah, j'ai un game over. C'était énorme, c'est magique. C'est magique, quoi. Non, mais quoi, non, mais... Quand j'ai dit que j'aurais plein de game over dans Skyward Sword, je m'attendais à des game over en combat, quoi. Bref. Non, mais... Je vous jure. Je vais pas m'en remettre de celui-là. Je vais vraiment pas m'en remettre. Je risque d'en parler longtemps, hein. Excusez-moi si je me répète beaucoup, mais... Mais alors là... je m'en remets pas. Et dire, non mais le pire en plus dans tout ça, c'est vraiment que quelques secondes après, je me répète encore, mais quelques secondes avant, je me disais, purée, je refuse de rester à un game over parce que ça me ferait chier que ce soit un game over sur Bella Dharma, tu vois, genre, ou en m'explosant tout seul. Eh ben putain, je vous promets que j'ai vraiment pas fait exprès, hein, j'aurais pas fait exprès d'avoir un game over, mais alors là... Oh, l'entrée du volcan, je ferais mieux pour arriver là-bas avant le mettre en verre, oui. Le mec au calme, il me dépasse comme ça, par la droite en plus, hein. Non mais, aucun respect pour le code de la... du ciel. Bref. Et ben je crois du coup qu'on va... Mais c'est pas là que je vais aller! Oh, sa mère là, je me souviens. Et ben quoi, il y a un problème, c'est bien que c'est là qu'il faut... Ici, que la bassine, non? Quoi, au sommet? T'aurais pu le dire plus tôt, pas question que je retourne dans le ciel avec ce truc qui pèse 3 tonnes. Mais d'un autre côté... D'un autre côté, tu pourrais retourner dans le ciel gentiment et aller là-bas? Bien sûr que non. C'est infesté de monstres par ici. Enfin, en temps normal, j'en ferais qu'une bouchée, mais il se trouve que j'ai les mains prises.
Tiens, puisque t'es là, maître en verre, tu vas nous montrer de quoi t'es capable, tu vas me servir de bouclier, je resterai derrière toi. Surtout, laisse pas les monstres toucher un seul de mes boulons. Alors malheureusement, ça risque d'être un peu long, ça. Ça risque d'être un peu long. Du coup, vous savez quoi, on est à 30 minutes de vidéo, donc je vais arrêter là. On ira donc dans le donjon l'épisode prochain, mais vu qu'il prendra sans doute pas seulement deux épisodes, dans tous les cas, on sera pas pressé. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, parce qu'on s'est fait une petite Alice qui est partie en couille à plusieurs moments. On s'est fait un game over aujourd'hui, n'est-ce pas? C'était magique, c'était excellent. Enfin bref, moi de mon côté, je m'en remets toujours pas et je m'en remettrai sans doute pas. En tout cas, j'espère quand même que cet épisode vous a plu, que vous êtes pas trop facepalmé et que si c'est le cas, vous n'avez pas trop mal quand même. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 25 où on attaquera la montée avec ce qui me donne pas du tout envie, la montée avec Recupix là. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne journée !